obligé de sortir le produit de la raffinerie. Donc il est évident qu'à un moment ou à un autre, on n'a plus de levier pour se battre, mais on ne va pas en rester là, c'est-à-dire qu'on appelle déjà la direction à une nouvelle date qui est le 6 décembre, ce sera la négociation annuelle obligatoire dans le groupe ExxonMobil, et on donne rendez-vous à la direction, alors pas nous, organisation syndicale, mais les salariés qui viendront avec des revendications fermes, et on attend une réponse quand même de la part du groupe ExxonMobil et de ses dirigeants. Donc même si chez ExxonMobil le mouvement est levé, on sera présent dans les manifestations et il est évident que l'ensemble des branches interprofessionnelles doivent se mobiliser le 18 octobre comme on a pu le faire pendant 24 jours dans le groupe ExxonMobil. Le sentiment en fait. Le sentiment c'est que malheureusement on n'a pas été jusqu'au bout de nos revendications. Il y a eu quelques petites avancées mais qui ne répondaient pas forcément aux attentes des salariés. Donc on a décidé de... Voilà, il y a une nouvelle date qui est le 6 décembre et on en parlera avec la direction. Merci à tous.